Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui fera l'objet de la poésie, page 117. Suivez avec moi attentivement, on va commencer tout d'abord par l'observation de l'illustration. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous voyez sur l'illustration? Je vois sur l'illustration un lapin et des oiseaux. Une coccinelle et des plantes. Très bien. Alors, l'illustration illustre un jardin où il y a des arbres, des oiseaux, un lapin qui saute et qui est content. Il y a une coccinelle, effectivement. Il y a des plantes, des fleurs. Voilà, très bien. D'après le titre qui est « Mon petit lapin » et voilà, et l'illustration, de quoi va parler le poème? Le poème va parler d'un lapin qui n'a plus du chagrin et il saute. Oui, je peux dire ça. Je suppose que le poème va parler d'un petit lapin qui saute, qui est content, qui joue dans le jardin. On va découvrir le poème et on va faire une première lecture. Le titre du poème, Mon petit lapin. C'est un poème du poète Maurice Carême. Mon petit lapin n'a plus de chagrin. Depuis le matin, il fait de grands sauts au fond du jardin. Mon petit lapin n'a plus de chagrin. Il parle aux oiseaux. Et il rit tout haut, dans l'âche et le thym. Mon petit lapin n'a plus de chagrin. Le voisin d'en face a vendu ses chiens, ses trois chiens de chasse. On passe maintenant à la découverte de la forme du poème. Et je vais lire les questions auxquelles on va répondre ensemble par la suite. Premièrement, observe ce poème. Combien a-t-il de strophes? Combien a-t-il de vers? Deuxièmement, cherche les mots à la fin des vers qui se terminent par le même son. Ça veut dire qui rime. Dans ce poème, comme dans une chanson, il y a un refrain. Un refrain, ça veut dire des vers qui reviennent régulièrement, qui se répètent dans chaque strophe. Alors, quel est ce refrain? On va répondre aux questions ensemble. Avant de répondre aux questions, je vais vous montrer c'est quoi un vers dans un poème. Certainement, vous le connaissez, mais comme un petit rappel. Alors, le vers, c'est la ligne dans un poème. Voilà, mon petit lapin, c'est un vers. Et une strophe, c'est un ensemble de vers. Et entre chaque strophe et l'autre, on trouve un vide. Dans ce poème, il y a combien de strophes? On va les compter ensemble. Voilà la première strophe, la deuxième strophe et la troisième strophe. Alors, combien de strophes y a-t-il dans ce poème? Il y a trois strophes. Oui, le poème est composé de trois strophes. Il est composé de combien de vers? Il est composé de 15 vers. Très bien. Chaque strophe est composée de 5 vers et on a 3 strophes. Alors, dans le total, on a 15 vers. Alors, le poème est composé de 3 strophes. Une strophe, c'est un ensemble de vers qui fait une unité de sens et de mélodie. Chaque strophe est composée de 5 vers. Le poème à 15 vers. Deuxième question, cherche les mots à la fin des vers qui se terminent par le même son. Ça veut dire qui rime. Lapin, chagrin, matin, jardin, thym, chien. Très bien. Il se termine par quel son? Il se termine avec le son 1. Très bien. Tous ces mots-là se termine avec le son 1. Est-ce qu'il y a d'autres mots qui riment ensemble? Oui, ce sont so, oiseau, o. Très bien. Il se termine par quel son? Il se termine avec le son o. Très bien.
On a alors saut, oiseau et eau. Saut, oiseau et eau se terminent par le son eau. Est-ce qu'il y a d'autres mots qui riment? Oui, ce sont face et chasse. Très bien. Et se termine par quel son? Il se termine avec le son C. Très bien. Il se termine par le son S. Face, chasse. On passe à la troisième question. Dans ce poème, comme dans une chanson, il y a un refrain. Ça veut dire des vers qui reviennent régulièrement. Quel est ce refrain? Il y a deux vers dans ce poème qui se répètent. Lesquels? Mon petit lapin n'a plus du chagrin. Très bien, vous le remarquez, mon petit lapin n'a plus de chagrin, mon petit lapin n'a plus de chagrin, et la troisième strophe aussi commence par mon petit lapin n'a plus de chagrin, et c'est ça effectivement le refrain dans ce poème. On passe maintenant, mes chers élèves, au vocabulaire, et on commence par le mot chagrin. Le chagrin, c'est quoi? C'est un nom masculin qui veut dire une profonde tristesse. Si je te dis, ma chère, j'ai un grand chagrin, ça veut dire quoi? Tu peux dire cette phrase autrement? J'ai une profonde tristesse. Ou bien je suis? Je suis triste. Très bien, je suis triste. Ici, on a un visage qui est triste. Lâche, c'est un nom féminin et c'est une plante comestible. Comestible, ça veut dire on peut la consommer, on peut la manger. Alors, lâche, on le met dans nos plats, les soupes. Il appartient à la famille du persil, du céleri, de la coriandre aussi. Le thym, c'est un nom masculin qui veut dire une plante médicinale. On l'utilise aussi dans nos plats comme la pizza. Enfin, chien de chasse, c'est un nom masculin, un chien qui sert à ramener le gibier aux chasseurs. Ce sont des chiens qui accompagnent les chasseurs et qui ramènent ce que les chasseurs viennent de chasser. On passe maintenant à la compréhension du poème et je vais lire les questions. Premièrement, dit autrement, n'a plus de chagrin. Deuxièmement, comment le lapin montre-t-il sa joie? Qui sont les ennemis du lapin? À qui appartiennent-ils? Pourquoi le lapin a-t-il peur d'eux? Quatrièmement, pourquoi le lapin n'a-t-il plus de chagrin? On va répondre à ces questions une par une. On commence par la première question. Dit autrement, n'a plus de chagrin. Tu peux dire autrement cette phrase? Elle n'a plus de peine et de tristesse. Très bien, n'a plus de peine ni de tristesse. On peut dire aussi, il n'est plus triste. N'a plus de chagrin, il n'est plus triste, il est content. Deuxième question, comment le lapin montre-t-il sa joie? Parce que il fait de grands sauts au fond du jardin et il parle aux oiseaux. Et il rit tout haut. Très bien. Le lapin montre sa joie en sautant dans le jardin et en riant tout haut et en parlant aux oiseaux. On passe à la troisième question. Qui sont les ennemis du lapin, à ton avis? Les ennemis du lapin sont les trois chiens de chasse. Très bien. Les trois chiens de chasse sont les ennemis du lapin. Un ennemi, c'est quelqu'un qui veut te faire du mal. À qui appartiennent-ils? Ils appartiennent aux voisins d'en face. Très bien, ils appartiennent aux voisins d'en face. Et pourquoi, à ton avis, le lapin a-t-il peur d'eux? Parce qu'ils vont le chasser. Oui, les chiens de chasse veulent chasser le lapin. Les ennemis du lapin sont les trois chiens de chasse. Ils appartiennent aux voisins d'en face. Le lapin a peur d'eux parce qu'ils vont le chasser. On passe à la quatrième question. Pourquoi le lapin n'a-t-il plus de chagrin? Le lapin n'a plus du chagrin parce que le voisin d'en face
entendu ces chiens. Très bien. Les chiens de chasse ne sont plus là. Le voisin les a vendus. Le lapin n'a plus de chagrin car le voisin a vendu les trois chiens de chasse. Pardon mes chers élèves, j'ai oublié ici un S. Voilà pour les questions de la compréhension. Je vous propose comme résumé à ce poème. Mon petit lapin n'est plus triste et il est très joyeux car les trois chiens de chasse de mon voisin ne sont plus là. Il peut maintenant sauter où il veut sans aucun souci. On va lire le poème encore une fois pour vous aider à le mémoriser chez vous à la maison. Mon petit lapin n'a plus de chagrin. Depuis le matin, il fait de grands sauts au fond du jardin. Mon petit lapin n'a plus de chagrin. Il parle aux oiseaux et il rit tout haut dans l'ache et le thym. Mon petit lapin n'a plus de chagrin. Le voisin d'en face a vendu ses chiens, ses trois chiens de chasse. Tu peux nous chanter ce poème? Mon petit lapin n'a plus de chagrin. Mon petit lapin n'a plus de chagrin. Depuis le matin. Depuis le matin. Il fait de grands sauts. Il fait de grands sauts. Au fond du jardin. Au fond du jardin. Mon petit lapin n'a plus de chagrin. Mon petit lapin n'a plus de chagrin. Il parle aux oiseaux. Il parle aux oiseaux. Et il rit tout haut. Et il rit tout haut. Dans l'âche et le thym. Dans l'âche et le thym. Mon petit lapin n'a plus de chagrin. Mon petit lapin n'a plus de chagrin. Le voisin d'en face. Le voisin d'en face. A vendu ses chiens. A vendu ses chiens. Ses trois chiens de chasse. Ses trois chiens de chasse. De chasse. Mon petit lapin n'a plus du chagrin. Depuis le matin, il fait de grands sauts au fond du jardin. Mon petit lapin n'a plus du chagrin. Il parle aux oiseaux et il rit tout haut dans la chaise le thym. Mon petit lapin n'a plus de chagrin. Le voisin d'en face a vendu ses chiens, ses trois chiens de chasse. Très bien. Notre vidéo touche à sa fin, mes chers élèves. Merci de votre attention. À très bientôt, Inch'Allah.